Aujourd'hui, on va essayer de faire un tour de France sans dormir. C'est la suite de mes vidéos, le dernier qui dort gagne, mais encore plus compliqué. On va être 6 participants dans un camping-car. On va donc passer par 7 villes partout en France pour faire le tour du pays. Ça va être très long et le but, c'est donc de ne pas dormir de tout le voyage. Et pour encore plus de challenge, il y aura évidemment des avantages et des handicaps tout le long de la vidéo. C'est pas nous qui conduirons, bien sûr, on a deux chauffeurs, Patrice et Maxence, qui se relayeront pour toujours être au max de la forme. Et je précise qu'on a pris un camping-car qui consomme le moins possible et tout le trajet sera bien sûr décarboné. Les 5 participants avec moi sont Alaya, Raven, Vincent Madeleine, Thomas de Maison Grise et Grégoire Dossier. Ça va être un gros challenge pour nous, mais on va bien se marrer, c'est parti. Les amis, on est dans le camping-car du coup. Ça, Thomas, Thomas, il a perdu. Tu peux rentrer à Maison Grise, vas-y. Du coup, bah écoutez, là on va partir maintenant. D'ailleurs, bah, si vous êtes chaud, on peut démarrer, chauffeur. Si t'es champion. Voilà, c'est beau, les émotions. Là pour vous dire, donc c'est direction Nancy, il est 12h37. A priori, il va pas dormir, je pense, avant minimum ce soir, forcément. Du coup, on va passer assez vite dans la vidéo à ce niveau-là. On vous met un petit résumé de tout ce qui se passe maintenant. C'est parti. On commencera comme ça la séquence. On vient d'arriver à Nancy, on garde le camping-car, c'est beau ce qui se passe. Grave. Première étape, on est arrivé, il fait déjà nuit, c'est fou. Il est 18h40, on vient d'arriver à Nancy, on est sur la place Stanislas, c'est giga stylé en vrai. Ah, c'est stylé. Et reviens. Il va se casser la gueule. Écoutez, donc pour l'instant, bon, 18h40, forcément, on n'est pas fatigué, on peut le dire. Ah ouais. La petite sieste, elle a manqué quand même. Non, mais faut savoir que quand on est dans un moyen de locomotion, on a envie de faire dodo. Hein. Ouais. La locomotion. Ça commence à fatiguer de côté Ravano. Ouais, mais je vais hâte parce que je crois qu'on arrive par exemple à Marseille vers genre 4-5 heures du matin. L'ambiance, ça sera trop bien. Eh oui, ma gatax. Petit big up à tous ceux qui habitent à Nancy, bien sûr, vous êtes les boss. Kiquez ça, c'est ta ville, ça. Est-ce qu'on peut quand même lui faire un big up parce qu'il tient juste une lampe ou pas? Bah, j'avoue, est-ce qu'on peut filmer quand même? Yeah. Il conduit et aussi il tient une lampe, c'est le boss. On fait un petit tour de Nancy et on reprend la route direction Lyon. Maintenant, c'est parti. Ouais, incroyable ça, incroyable. La team, on continue, il est à peu près 21h30. Là, on est, bah, regardez, je vous mets où on est sur une carte de France. On est un peu au nord de Lyon, entre Lyon et Nancy, justement. Et on fait une petite pause pour manger, et notamment pour acheter des trucs qui nous tiennent à réveiller la nuit. Vous savez ce que vous allez acheter à manger? Un truc qui fait un sac dans les veines et qu'on peut pas dire sur YouTube. Alors, vous savez ce que vous allez prendre là pour rester réveillé ou pas? Un café. Deux cafés. Petit café, ok, des trucs comme ça. Et faut prendre un truc surtout pour le camping-car, genre dans la nuit, t'as capté. Prenez une batterie externe. Oh, pas bête ça. Ah ouais, j'avoue, pour rester réveillé, tu vas sur ton tel toute la nuit. Moi, j'ai acheté une PS5, je pense. Ah, pas con ça. Achète-moi ça. Ah bah ça, pour rester réveillé dans le camping-car, c'est pas mal. Thomas, je te fume, viens. Ah, à la base, c'est pas ça qu'il fallait faire, les gars. Viens là, Thomas, je te fume. C'est pas ça le but d'ici, mais bon. Et je vous présente ce que chacun achète pour essayer de rester au max de la forme. C'est Thomas qui se présente en premier à la caisse avec une boisson énergisante Rockstar et deux paquets de bonbons. Est-ce que c'est un bon choix? On verra ça. Oh là là, regardez, ils dégagnent une carte Revolut pour payer. Et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Un grand merci à eux. Alors, si certains ne connaissent pas Revolut, c'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte gratuit pour gérer votre argent comme vous le voulez. Avec plus de 25 millions d'utilisateurs dans plus de 30 pays. Et bravo à Thomas pour cet achat avec cette super carte en tout cas. C'est au tour de Vincent de venir en caisse avec un frappuccino et des Mars. Quel achat technique! Il dégaine aussi sa carte Revolut reliée à son compte bancaire qu'il a pu créer gratuitement en 5 minutes. Oh, c'est Raven qui arrive à la caisse avec du café et du bœuf séché. Quel combo! C'est du jamais vu depuis 1982. Oh là là, quelle élégance dans cette sortie de carte Revolut pour payer avec une carte elle-même très stylée puisque grâce à Revolut, vous pouvez commander une carte qui est complètement personnalisable comme vous le voulez. Alaya qui arrive maintenant avec du café, des crayons de couleur et un magazine pour enfants. C'est audacieux comme choix pour ne pas dire giga chelou. En tout cas, elle paye avec Revolut qui lui permet de faire les actions classiques d'un compte bancaire, mais pas que. Elle peut aussi par exemple arrondir tous ses achats avec la fonction petite monnaie pour transformer ses petites sommes en épargne sans effort. Et elle peut aussi économiser jusqu'à 30% sur des marques comme Nike, Adidas ou Amazon. Oh, ça je reconnais, c'est Grégoire Dossier. Quelle entrée en caisse, c'est incroyable. Avec une canette de Monster, du chocolat noir et des Mentos. Et hop, le paiement avec Revolut qui offre pour autre avantage de payer à l'étranger et de faire des retraits aux distributeurs. Le tout sans frais et au taux de change réel. Pratique pour ceux qui aiment les voyages, comme ce bon Greg Zouz. Et c'est le joueur français Lucas Studio qui finit avec des bonbons et un Red Bull, le classico. Il raconte en même temps au caissier que pour profiter de tous ces avantages et plus encore, ceux qui regardent cette vidéo peuvent télécharger Revolut gratuitement avec le lien en description. Et parmi tous les téléchargements, et ben l'un d'eux gagnera 1000 euros. Et en plus de ça, Revolut vous rembourse à tous les 20 premiers euros dépensés avec le compte, donc ça fait 20 euros offerts. Merci à Revolut en tout cas. Et maintenant qu'on a tous pu acheter ce qui va peut-être nous maintenir réveillés, on retourne dans le camping-car, c'est parti. Oh, le café, il est technique celui-là.
Oh, il est technique. Alors, hop, le téléphone. Ah bah tiens, let's go ça. Ah bah tiens. C'est l'avantage du camping-car ça. Thomas Oh non, Thomas il dort encore, il a perdu. Il est 22h44 et du coup on repart de là, on a fait une pause pour acheter à manger, etc. C'est chacun a pris ses trucs. 22h44, c'est une heure qu'on aime bien. Bisous Safia. Waouh, très très privé, attention. Ouais. Bisous Safia, j'ai pas capté la ref, on la laisse. Non, c'est très Safia ça, 22h44. Tu la connais pas? Ah d'accord. Et donc là on va direction de Lyon, on arrive normalement à Lyon à 1h du mat et on va aller justement à la place Bellecour, évidemment assez culte. Et j'adore l'ambiance de nuit là comme ça là. C'est quoi ton truc que t'as acheté là? Caramel macchiato, Starbucks. Tu penses à te faire réveiller ça? Non, c'est juste bon. Là, attends, pour préciser aux gens, c'est que là, donc on est un lundi soir, il est 23h. Et normalement, ça s'est arrivé le mardi, donc demain, mais dans la nuit, genre à 3-4h du mat, tu vois. Non, mercredi. Bon, pas le mercredi à 5h du mat, mais t'as gâté. Ouais. C'est la nuit du mardi à mercredi, quoi. C'est quoi tes horloges, Thomas, là? J'ai mis un réveil toutes les 30 minutes, comme ça, je suis sûr de pas m'endormir. Oh, c'est presque pas con. Attends, mais Théma, montre aux gens quand même. Regardez son alarme, là, j'ai pas vu, c'est angoissant de fou. Comme ça, je suis réveillé à chaque 30 minutes. Ouais, mais si tu t'endors, t'es foutu. Mais non, mais justement, l'alarme est agressive, donc elle va te. C'est que l'alarme, elle agresse. Hein, mais... Attends, Alaya, pourquoi t'as acheté ça? Mais surtout, pourquoi un pistolet à eau? Mais parce que c'est archi smart. Si jamais je m'endors, ça, si je le remplis d'eau et que je me le plie dessus, ça me réveille. Oh, l'idée de génie. Mais c'est vrai, non, mais juste tu mets ta tête dans, sous l'eau, quoi. Ouais, comme ça, quand elle s'endort, bah, dehors, du coup, elle veut pas se mettre un coup de pistolet. Mais vous avez un lavabo ici? Ouais, mais t'as de l'eau? Bah non. Bah voilà. Elle a le sommet. Bref, c'est parti, transition. À toutes les Lyonnais, on arrive les Lyonnais. Il est 1h là, on est pas loin de Lyon. Et puis écoutez, on fait une petite pause. Et très belle chose à venir voir là-bas. C'est vrai? Oh là là, ça j'aime ça. Les joies du verre de tour. Ah, ça me dégoûte, sinon je suis même pas. Ah, ça me dégoûte, frère. 1h07, on fait une petite pause du coup avant qu'on arrive à Lyon. Je vais pas vous mentir qu'on a entamé déjà le premier Red Bull pour rester un peu en forme. C'est trop bizarre en fait, je pense que le rythme est un peu monotone de. On roule sur la route et tout, ça nous fatigue de fou. Mais ouais, je sais pas si on va tenir tout. On a même pas arrivé à Lyon, on est déjà mort. Mais en vrai, ça va le faire. Je pense que le fait de sortir, etc., déjà ça remet dans l'ambiance. Mais sinon, tu sais, on est sur nos téléphones et tout, ça endort vachement. Voilà, c'est ça, les gars, c'est ça. Hop, oui, ça s'arrête même faire des petites séances photo ici, là. Devant des bordels. Et on va tous y passer, hein. Voilà, la bad boy, les gars, bad boy. Voilà, et dans l'objectif, directement. On va le chercher. Ouais, Elisa, profond, les gars. Elisa, hein, qui va quitter pour quelle vie. C'est précis, Greg. Bonsoir, vous connaissez la chaîne Lucas Studio? Non, mais lui comme il est gênant. Ah pardon, bonne soirée à vous. Greg il lui a demandé, vous connaissez la chaîne Lucas Studio? Il a dit, négatif. 2h02, on est arrivé à Lyon, là on va direction Place Bellecour. Évidemment c'est masterclass. Et Lyon, une des meilleures villes de France, on le dit, big up à tous les Lyonnais, vous êtes les boss. Oh, bah, c'est quoi? Oh, petit rat. C'est un rat lyonnais. Allez. Je pensais que ça n'existait qu'à Paris. Comme quoi, ça fait du bien de découvrir un peu le patrimoine de chaque ville. Oh, il y a un feu vert, ça peut faire des belles photos, ça. J'ai la ref. Hey, elle a raison, cette borne. Allez, abonnez. Abonnez-vous. Thomas, il a vu un très bon truc, là, regardez, là. Même la borne, elle est abonnée. Donc, ceux qui ratent cette vidéo qui sont pas abonnés, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, ça fait plaisir. Vraiment, on arrive au 1 million d'abonnés bientôt, la team. C'est grâce à vous, merci à tous les abonnés, vous êtes les boss. Et allez-vous faire en... Bah non, non. Venez, on fait un sprint, genre, ça nous réveille, tu sais. Ah mais regardez, non mais en vrai, je suis une propagande c'était de Lyon, c'est incroyable, mais non, arrête. Non, frère. C'était mieux Nancy. Non mais j'adore Nancy et tout, mais propagande de Lyon, c'est incroyable, les gars. Là, en plus, la grande roue, j'adore. J'aime trop l'ambiance à 2h du mat, tu vois, comme ça. T'es posé au calme et tout. Et là, on parle de sexe. Voilà. Ah bon? Enfin, on peut, hein, mais. Vous êtes fatigué ou pas là, ça va? Non, du tout, là, je suis chaud pour toute la nuit. Le vent frais me réveille. Mais de fou! Oh, mais sortir du camping. En fait, le camping-car, vraiment, il endort, c'est tu roules un peu de façon monotone. En cercelant. Oula! En sorcelant. Exactement ce que je voulais dire. Mais là, tu vois, dès que tu sors, ça réveille de fou, en vrai. Parce que quand je suis dans le camping-car, je me dis, mais jamais je tiens une nuit. T'es vénère, attention! Ouais, jamais je tiens une nuit! Alors qu'en vrai, là, ça va, tu vois. Il est où Thomas, là? Je sais pas, il fait quoi? Il arrive! Oh là là! Ah. Ok, il est arrivé! Oh, il va se réveiller comme ça, lui. Oh, ça ride! Donc là, il a mis 2€ là-dedans? Ouais, il a mis 2€ dans une blague. Ah là, quelle arrivée! Les gars, ça va être beaucoup plus rapide pour aller à la place Bellecour maintenant. Ah oui, on est arrivé. J'ai appris que Lyon était la capitale de la gastronomie européenne. Mais non, mais là, 2h du mat, c'est la meilleure info possible. J'adore cette info, je te dis. Et aller à Lyon, c'est une ville super, j'adore Lyon. Mais je l'ai déjà dit dans la vidéo ou quoi? Oui, on le redit. Lyon, c'est incroyable. Et tous les Lyonnais, mettez en commentaire pourquoi Lyon, c'est une ville incroyable, s'il vous plaît. Parce que franchement, je vous défendrai toujours. Thomas! Donne-moi ta trotte! Non, c'est la mienne, wesh! Mais donne-moi ta trotte! Mais laisse-moi trotter tranquille! Il fait un vlog en même temps, Grégoire, qu'est-ce qu'il nous fout là? Il fait un vlog sur sa chaîne, lui! Et on a l'impression qu'il a fumé 64 pétards! Oh, il fait filmer les yeux, Grégoire là! On dirait que t'es défoncé, frère! Attends, Grégoire, on peut faire un plan sur tes yeux, Grégoire, vite fait là? Vas-y, Théma, tes yeux là, de fatigué là! Ah, mais c'est qui arrive là-bas? Ne me dis pas que c'est Thomas qui a pris un vélo! J'ai commandé Uber Eats, les gars, ça arrive là! C'est la commande Pepe Chicken? Oh, s'il arrive avec un McDo, je vais pousser direct! Oh là, ça va? T'as les yeux qui pleurent!
Hein plus que ça, c'est. Mais ah, si, tu pleures, t'es luisant là. Zoom sur les yeux de Thomas de fatigue aussi. Non, pas du tout, je suis pas fatigué. Bon, les gars, je marche pas depuis tard, donc je suis pas fatigué. Comment ça, j'ai éclaté? Analysez nos yeux, ils sont fatigués ou pas là? Allons à Marseille. Et là, les têtes de fatigué qui commencent à arriver là. Regardez-moi ça là. Oh là là, Vincent aussi. Oh oui. Ah là, il y a aussi. 3h40. Je monte la mienne, petite tête de fatigué aussi, je sais pas si ça se voit là. Il y a vraiment des phases. De quoi? C'est archi zoomé? Ça va, c'est bien filmé ou pas? Oh là là, ok, quelle sortie. Oh là là, l'air marin là. Wow. Le vent. Oh, je suis mort. J'ai écouté l'album de Kekra, super album, streamé Kekra, bref. Là on est, alors on fait une pause parce que un truc de fou, on va direction Marseille et pile sur le chemin, on passe à côté de Savas. Vous savez, Savas c'est la ville d'où je viens. Et du coup on s'est dit on s'arrête là, on est à l'aire de Savas. J'ai regardé, on est vraiment à une demi-heure à pied d'où j'habite, chez mes darons. Ah ouais, chez toi, c'est bon. Et bah écoutez, l'aire de Savas, regardez comme c'est sympa, il y a plein de trucs à faire. Il y a rien à faire, il y a rien à faire. Ah, c'est vraiment la pire aire d'autoroute que j'ai fait de ma vie. En vrai, je me souvenais pas qu'il y avait si peu de choses, il y a rien, il y a même pas de lampadaire allumé. Il y a même pas de petit néon vert pour faire des photos. Si ça réveille en vrai. En vrai, ça réveille. T'es prêt Lucas, 10 pompes. 10 pompes là maintenant. Let's go. Allez. Les mains, elles doivent être froides là. 1 2 10 et on rentre. 3 4 5 6 7 8 9 10, let's go! Là, il dort pas! Et là, je suis réveillé! Qu'est-ce que vous voulez faire à l'air de Savas? Partir de l'air de Savas! Oh, le vent, il est terrible! Allez, on retourne, regardez derrière! Allez, on rentre vite, les gars! On a repris la route direction Marseille, j'ai bégayé, j'hésitais à le dire, wow. Tu sens la fatigue là qui a. J'arrive plus à parler. Alors, on précise que Thomas, il est juste à l'avant avec le conducteur. Est-ce qu'on peut avoir un petit plat? Salut! Oh, il est beau, il a son prime! Oh là là! On l'a vu lui! Ah non, je me. C'est le matin, on se motive! Je vous dis, une quiche Lorraine au petit-déj à 7h du mat. C'est pas négociable. Moi, je partirais bien sur un brunch. Un petit brunch zouz là. Un petit brunch, je suis chaud aussi. Hein. Non. Mais la quiche, c'était vers Nancy qu'il fallait la prendre. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avoue. Ah, Laïa, je me rends pas compte si elle est fatiguée ou pas. Ça va, Laïa, tu te sens quand même? Oui, ça vient Balek. Balek, moi je suis sûr. C'est bon, ça m'a réveillé ça. Faites ça chez vous. Hein. Ah non, ne faites pas ça chez vous. Tu as une, ça rétablit ma vue. Tu as vu l'huette. Toi, je vois trop bien. Attends, c'est quoi ce bordel? Je prends ça, Mister Beast. Moi, je vais faire une vidéo où je retire la vue à 100 gens. Vous avez pas la sensation que, genre, tu sais, quand le jour se lève, on a fini, tu vois. Tu sais, en mode, ça va être plus simple, tu sais, quand le jour se lève, c'est bon, on sera réveillé, tu vois. Ça va être terrible. Bah, ça va jouer un petit peu quand même, quoi. Ah ouais, je pense. Bah, tiens, parle-nous de la vitamine D. C'est pas ça. Je suis un scientifique en fait. Parle-moi des minéraux. Tu préfères basalte ou gabron? Les amis, quel retour de Thomas. Il est 5h53, on approche de 6h. Thomas a pris des oranges qu'il a pressé lui-même et ça a donné cette boisson. Donc voilà, c'est naturel, 100%. Ouais, c'est 100% goût tropical goyave avec de la taurine, vitamine B, caféine et du guarana. Je pense que ce serait une blague coupée au montage. Bah non, pourquoi? Il fallait qu'il commente en direct ma vanne en faisant ça. Je laisse finir sa phrase, mais en vrai, ça a cuté. Donc il commence à vraiment douiller là. Ah ouais? Alors on passe mytho, je suis KO. Moi c'est un choix, je suis en KO technique là. Tu sais, c'est la petite table qui fait. Tu la vois celle-là? J'hésite même à un moment donné moi. Ah ouais? KO technique? Ouais. On m'a dit à Marseille, il y a des goélands géants sur le port, genre vraiment énormes parce qu'ils sont nourris au kebab. On appelle ça des gros élans du coup. Oh! Allez! Fatigué mais toujours là. Hein. C'est peut-être sa dernière vanne de la vidéo. Et bah écoutez, on va voir ce qui se passe à Marseille, on y va, c'est parti, let's go! Oh non, il fait froid. Non, il fait trop froid. Oh, c'est Marseille, ça je reconnais. Je reconnais pas du tout. Impossible à reconnaître, il fait encore nuit. Il est 6h21 la team. 6h21, ça pique là. Attends, mais comment on reconnaît Marseille là? C'est sec, l'arbuste il est sec. Bah la poubelle. Ah, voilà, ça c'est une preuve. Et ceux qui nous disent on est des mi-tours, regardez la preuve là. On fait une rondelle dans Marseille vite fait. Allez. Et si on se fait une pétanque, ils vont bien voir qu'on est à Marseille. C'est tellement cliché. J'ai pas vu jour depuis 3 jours. C'est vrai que j'ai l'impression il fait nuit depuis 5 semaines là. J'en ai marre. Ça fait 3 semaines qu'on est en vadrouille là, non? Oh, mais vous avez pas l'impression qu'on était à Nancy, c'était à 3 jours en vrai? Attends, Nancy, ça date. Tu te rappelles de Nancy toi? Ça date de fou, la quiche Lorraine et tout là. T'es mal les deux zombies devant là. Tu veux quoi? Mais en gros, on peut pas aller dans le centre de Marseille avec le camping-car, tu vois. Mais du coup, on est allé à l'extérieur de Marseille. Et... voiture. Oula, c'est qui roule vite le con? Ah, c'est le camping-car. Ah, il se barre sans nous. Attends, nous, on doit aller à Bordeaux. Fait toujours aussi froid, hein. Ça bouge pas de pays en pays, hein, j'ai l'impression. Et en plus, là, bizarrement, le froid, il réveille plus là. Si, il est là. Oui, mais il réveille plus trop, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre avant ça me réveillait de fou là, ça me... Bah gaffe, il s'en bat les couilles, hein, je crois. Ouais. Bah on peut rester là, plus bas, on va moins voir, je pense, non? Et regardez, franchement, est-ce que Agathe, on peut avoir un beau plan de Marseille là? On voit que dalle. Un beau non, mais un plan oui. Qui se rappelle quand Raven y parlait? Oh t'es mal! Oh t'es malheux! Oh là là! Oh les yeux rouges! Putain, il date Raven, hein. C'est pas sport ça. J'en rends pas compte si je fais froid là. Tu sais que c'est une vidéo que j'aurais dû faire l'été, tiens. Je viens de capter. Mais on annule le tournage, on recommence cet été là. Big up à tous les Marseillais évidemment. Marseille, super ville aussi. L'avantage quand tu dors pas, c'est que tu fais pas de cauchemar.
pas de rêve non plus. Ouais, mais la vie est un rêve. J'ai un point de côté. Bah mets-le de l'autre côté. J'aimerais. Après on est sur la côte, hein, c'est normal. Allez. Non, tu vois, j'aurais bien voulu rire. Hein. J'ai pas réussi. Alright. Et on est Camille à l'intérieur. Oh, vous savez que j'ai trop faim. Une petite Lorraine, ah, Jérôme. Moi j'ai trop faim d'un petit déj juste. Oh, ouais. Moi je crois que je voulais me coucher. Hein. Quoi? Il y a pas ça au menu? Bah il va être dans mon menu je crois. Ah ouais, tu penses t'es vraiment mort devant là? Après c'est grave. J'ai calculé sa fréquence de mots sur la dernière heure, c'était 3. Ouais. Je suis mort. Non, Raph. Ah là 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 là. Raph, pas maintenant. Si on a les gars, c'est trop chaud. Allez. Ah ouais, vraiment, tu penses honnêtement que t'arriveras pas, de toute façon, t'arriveras pas jusqu'au bout du tour dans tous les cas. Ouais, mais impossible. Bah le mec, il reste que 20 heures à peu près. Voilà. Ça va. T'as dit tous les... Voilà. Ah ok, ça le problème. Ouais, le truc majeur. Tu valides ton départ, Raph, du coup? Ouais, ouais, je valide. Franchement, je suis désolé. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Hein. Coup dur, mais je comprends que c'est dur. Coup dur, mais je comprends que c'est dur, c'est la morale de cette vidéo. Les gars, je suis désolé, mais je crois que je vais partir aussi. Non. Hein? Quoi? Deux abandons là. En gros, je vous explique. Si je reste, là, je sais que je suis au bout, ça fait 3 jours que je dors pas en plus. Il y a l'accumulation. Et si je reste, je vais juste être là, juste là. Je vais pas parler, je vais rien faire. Donc c'est, ça sert à rien. Enfin, je vais repousser le départ à la prochaine ville, quoi. Ça, c'est coup dur, pardon. Parce qu'on perd un soldat et en plus, t'es Raven, ça allait. Hein? Ah ouais, deux soldats d'un coup là, frère. Après l'arrière, j'avoue qu'il y avait quand même des moments aussi. Là, je me demande pareil si elle était pas endormie. Hein. Je sais pas si on a filmé un moment là, elle était comme ça déjà. Elle faisait genre à regarder sa série, mais déjà j'avais des petits doutes quand même sur ce qu'elle faisait qu'avant. Non, je vous jure, j'ai pas dormi. Regarder une série avec l'écran fermé quoi, bon. Ah ouais, par contre, juste, il y a une option qui existe où on vous. Casser. On peut maintenant? C'est quoi cette option? Il y a qu'une option en fait. L'option c'est que vous prenez un train et vous rentrez direct sur Paname. Alors soit on rentre chez nous bien ou soit on dort mal dans un camping-car. Ouais, il y a cette option là quoi. Ok, attends, je réfléchis, je prends le train. Et ben on vous commande un taxi, je pense, d'ici parce que nous on va partir direct. Hein. Allez hop, je vous souhaite bon courage pour tous là. Allez, rentrez bien les jeunes. Hein. Ciao, ciao. La bise. Ah, et deux soldats qui nous quittent. C'est triste, hein. Franchement, j'ai le cœur déchiré. J'ai vraiment l'impression que se sont fait cambrioler hein, devant nous. Hein. Go fast. Je pense que dans une heure, ils sont à Paris. Hein. On n'est pas triste du tout, là. Oh non, ils sont partis. Bon, allez. Allez, let's go. En fait, je crois que je suis tellement fatigué, j'ai pas l'émotion de la tristesse qui est développée, tu vois. Mais là, c'est juste, on continue. Quoi. Allez, let's go. Là, on va direction Bordeaux et on s'arrêtera évidemment pour un petit déj. Et une quiche Lorraine, on n'oublie pas. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Ok, où sommes-nous? Oh, le soleil fait plaisir, comme ça pique les yeux par contre, ouais. C'est la première fois que je suis à Los Angeles de ma vie. Alors, je vais te dire où on est d'ailleurs exactement en France, je vais regarder sur Maps. On est à côté de Lunel, ouais, vers Montpellier en gros. Entre Nîmes et Montpellier exactement. Et là, du coup, on fait la pause pour le petit-déj, il est actuellement 8h57. C'est l'heure du petit-déj quoi. C'était très dur là, entre Marseille et ici, c'était très dur. Surtout quand tu vois les deux autres partir et tout. Et vu qu'il n'y avait pas encore le soleil levé, c'est ça qui était dur aussi. Ouais. Bon, frère, je suis anéanti. Attends, mais je la veux, ma quiche Lorraine, ouais, il n'a pas, je suis abattu. Vous faites des quiches Lorraine ici ou pas? Des quiches Lorraine? Il n'y en a pas? Non, c'est jamais en stock, si jamais. Je suis anéanti. J'essaie de me relever, mais ça va être dur là. Je vais aller dormir maintenant, c'est bon, c'est fin de la vidéo pour moi. Je vais payer tout avec ma carte Revolut. Ouais. Ce sera par carte Revolut, si vous voulez. Super, et eh ben, c'est efficace. Merci beaucoup. Oh là là, c'est beau ce qui se passe ici en direct. Ouais, ça prend des cafés, ça prend des trucs comme ça là. Moi je prends ça à faire, je vais me buter à ça là. On a fini le petit déj, c'était sympa ce moment, il est 10h08 et maintenant petit jeu. Oh là, petit jeu. Et le perdant de ce mini-jeu va avoir un gros désavantage. Oh, le gros désavantage. Pas besoin de répéter. Je mets un peu de dynamisme. Ouais, pour essayer de te réveiller. Ouais. En gros, à l'arrière du camping-car, il y a deux lits. Là, je vais poser une question. La personne qui est la plus éloignée de la bonne réponse va devoir se poser 5 minutes dans ce lit allongé, les yeux fermés. Du coup, la question, je vais trouver une question vraiment hyper vite. Je vous jure, la vie de ma mère, j'ai pas regardé la réponse avant. Faut trouver, là, on est entre Nîmes et Montpellier. À combien de temps on est en voiture de Bordeaux, notre objectif là. On va regarder sur Google Maps, c'est indiqué. Ok, moi j'ai mon chiffre. Bon, pareil. Oh, vas-y, commence. 6h23. 5h. 4h10. 5h47. Ah ouais, je suis beaucoup trop loin. Je pense que c'était le plus loin. Ah ouais, Vince. Alors, on va regarder ça maintenant. Bordeaux, on est à 4h51. Bah allez, bah Vincent. Vincent le plus loin, let's go. Ah, toi en plus qui était un peu mort là. C'est dur ce qui se passe. Hein. Et bah là, ce qui va se passer, mon grand, on va t'ouvrir le camping-car là. Et tu vas rester 5 minutes là. Et par contre, attends. Promis, tu fermes les yeux et tu restes allongé. Bah promis, je m'endors. Allez, j'y vais. Hein. Oh là là, je vais me mettre bien. Peut-être qu'on va perdre Vincent là-dessus. Je vais lutter quand même. 5 minutes? Ouais. Mais je suis tout seul là? Ouais. Et nous, on reste à l'extérieur. Au bout de 5 minutes, on ouvre discrètement et on voit si t'es endormi ou pas. Ok, ah ouais, non, bah. Et promis, tu fermes les yeux, ok? Promis, je ferme les yeux.
Allez, chut, ok. Là, les gars, on fait pas de bruit. Il a une berceuse. T'as une berceuse, t'as laissé une berceuse? Oui. Ouais, je suis mort. Ouais, c'est parfait. Ça vous dérange pas, les gars, si je fais une sieste ici? Alors là, je te jure, en deux minutes, je m'endors ici. Hein. Oh, on est trop bien de fou. Alors, ça fait 5 minutes, on va ouvrir tout discrètement pour voir s'il est endormi ou pas. Faut les clés? Ah merde. Je pense. Oh non. Non, il s'est réveillé direct. Non, mais je dormais pas. Hein. Tu dormais pas du tout? Non. Oh non. Putain, même avec la berceuse. Par contre, un enfer ta musique. Hein. Ah bon? Bah non, ça en dort de fou ça. Non, pas du tout, ça rend fou. Oh non, c'est trop bien ça. Ah, ça j'adore. Je pense que c'était pas assez 5 minutes. Et ça t'a plus fatigué, tu penses? Ouais, par contre, ouais, ça m'a mis dans un mood où je suis bien là, tu vois. Écoutez, on reprend la route maintenant en direction Bordeaux. La team, il est 15h41. Donc là, voilà, on a zoomé sur le téléphone, on a parlé entre nous de super sujets vraiment. Moi, j'ai fait une petite sieste perso. Justement, t'as perdu ça. Ah non, non, bah non. Donc on va pas à Bordeaux finalement. Là, on va à Royan. Donc c'est vraiment juste que c'est là l'océan quoi. Directement, on va voir l'océan. On arrive dans 1h20 du coup à la prochaine ville. Et d'ici là, on laisse tourner si jamais il y en a un de nous qui fait bien un peu. Là, tu sais quoi? Non, mais là on laisse tourner, on va voir ce qui se passe là, tu vois. Ouais, on voit qu'il y en a qui flanchent. Et bah écoutez, on va voir ce qui se passe là. J'ai cru de fou. Tu dormais pas là? Oh non, j'ai trop cru. Oh frère, il y a trop cru. Ah, depuis tout à l'heure, on était chaud en mode il dort, il dort. Ah, j'ai trop le seum. Ah, pas grand chose, je pense. Ah, pas grand chose ou ça va? Peut-être de la marge. Je sais pas, j'arrive pas à dormir en fait. Hein. Et bah écoutez, pas d'ici à notre arrivée. Au moins, on sera tous les quatre à voir l'océan. Ça tenait qu'à un fil. Putain, mais endors-toi. Il a cru que c'était un Pokémon. Il a voulu capturer. Écoutez, on vient d'arriver du coup à. J'ai oublié le nom, à Royan. On vient d'arriver à Royan, les amis. Du coup, il y a l'océan à un quart d'heure à pied. On va y aller évidemment. Bah ouais, direction directement l'océan, hein, Vincent. Bah carrément, là, on va à l'océan, on va voir la mer. Non, on va voir l'océan, du coup. Ah ouais, bah ouais, je suis... Bon, regardez où on est, c'est magnifique, les gars. C'est magnifique de fou, il y a l'océan derrière nous. C'est stylé. Ah, franchement, ça fait plaisir, ce Tour de France, les gars, on passe par des endroits incroyables. Et bah regardez, il est quasiment 18h, là, 17h59, ça commence vraiment à piquer de fou. Non mais les gars, moi je suis à deux doigts de prendre ma carte Revolut et d'aller me faire un hôtel qui est juste là. Hein. Vous savez qu'il y a un hôtel 3 étoiles derrière, c'est la provoque. Hein. Avec cette vue là, tu t'endors paisiblement. C'est fou d'être ici alors qu'on part à Paris dans quelques heures. Le problème c'est qu'on est tellement fatigué, on n'a pas les yeux assez ouverts pour bien profiter je crois en fait. Mais je sais pas si on voit, mais il y a la tour Eiffel là-bas. Ah oui c'est ça, bah on la voit de là-bas ouais. Ah mais ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas l'impression genre, tu sais c'était il y a 3 jours qu'on est parti. Ouais c'est sûr. Et là surtout que Marseille c'était il y a 2 jours, enfin tu sais que c'était pas la même journée. Non, et j'avais 21 ans quand on était à Marseille. Là j'ai fêté mes 24 ans. On s'en rappelle. Vous connaissez Lucas Studio? Ah non, c'est génial, c'est génial. Oh non, ce bord est trop bien, je peux pas me relever. Il est incroyable, il est incroyable, aide-moi s'il te plaît. Allez, viens là, champion, viens là. Merci, mec, j'oublierai pas. Il a perdu là, Thomas. Ouais, je pourrais m'endormir n'importe où là. Ah, il y a une photo stylée avec ce néon là. Là, c'est stylé, non, la photo? C'est bon, c'est dans la boîte? Nickel. Oh là, Thomas, fais gaffe, Thomas, fais gaffe. Thomas, fais gaffe. Hein. Thomas, on s'endormira. Hein. Thomas, oh, t'as failli perdre, hein. Fais gaffe. Hein. Par contre, on est bien d'accord, on a aucune envie de bouger d'ici. Non, non, bah non. Bon, on a envie de rester ici, évidemment. Là, on traîne un peu, on fait des petites blagues, mais en fait, c'est juste qu'on veut rester. Donc là, on reprend le camping-car direction Angers maintenant. On monte un peu plus dans le nord-ouest. Et avant d'aller à Angers, on va. Manger! Oh oui, bah si tu la fais pas maintenant, ça fait quand? Thomas? Quoi? Thomas? Dernier? Thomas? Vous allez voir en plus qu'il dort. T'es pas comme il dort là. C'est obligé que tu dors comme ça là. C'est fini tout. Je suis au bout de 16 heures de travail. Et c'est quand même le gagnant de la dernière édition. C'est le Rafael Nadal de la terre battue là. Oh là là, quel coup de vent. Il rend la couronne. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend qu'il se réveille naturellement ou qu'on réveille? On peut le laisser dormir. Hein. On laisse dormir? Vas-y, on laisse dormir, on verra si on réveille. Il apprendra ça demain. Ouais, tu sais quoi? Moi je vais écouter de la musique et je vais le fixer, on attend qu'il se réveille. Je vais faire ça comme ça, je suis sûr. On fait tous les trois là et on le fixe. À partir de maintenant, je m'endors plus jamais. C'est vrai que là, bon, il est finito. Le finito, il est finito. Oh, le réveil. Oh, le réveil de Thomas. Oh, le réveil et quel coup de genre pour Thomas.
Oh les yeux. Oh les yeux. Je sens la déception. Aïe aïe aïe, c'est coup dur. T'as rien envie de venir? Non. J'ai mal pour Thomas, je vous dis. En fait, ça s'est mis dans ta position, t'étais comme ça. On s'est dit, voilà, c'est sûr, il dort. T'es tombé, en fait, t'es tombé. Mais normal, alors, ouais, ça se voyait déjà que tu commençais à sombrer, quoi. Ouais, je suis désolé, les gars. Bah, alors, bah, désolé, mec, bravo à toi. Hein. Mec, tu nous as fait rêver, je te regardais à la télé quand j'étais petit. Ça, j'aime bien. Fais-moi un câlin pour cette vanne. Ouais, bah, les gars, je vais vous laisser. Tu vas finir ta nuit là-bas, là? Je vais finir ma nuit là-bas, ouais. Ok. Ah oui, parce que, donc, les autres, on a pris un train, etc. Là, pour le coup, comme il reste que Angers puis Paris, bah, en vrai, tu peux rester là avec nous, tu vois. Ouais, ouais, ça marche. Et bah, Thomas, force à toi. Transition, on est arrivé à une heure de repos pour manger là, j'ai réveillé Thomas entre temps, désolé. Bah ouais, je suis mort. Hein. Parce que fallait quand même faire un truc, vous savez, donc la vidéo est sponsorisée par Revolut, encore évidemment, merci à eux. J'ai évidemment la carte juste ici. Et Thomas qui a encore de l'argent sur son compte Revolut aussi, et ben il va me virer cet argent là parce que c'est l'avantage du site Revolut, tu peux faire des virements hyper facilement, instantanément. Et c'est ce qui va se passer parce que comme ça je récupère l'argent et on paye à manger à tout le monde quoi. Donc, et après tu t'endors toi tranquille. Ouais, donc en fait j'ai perdu et en plus je perds l'argent que j'avais sur ouais. mon compte. Ouais, désolé. Alors vas-y, fais-moi ce petit virement mon ami et après je te laisse dormir. Regardez le plaisir qu'il va prendre à faire ce virement, ça va être énorme. Je t'envoie, bah, du coup, les 77,88€ qui me restaient. C'est du vol, hein, directement, on est d'accord. Hein. Et mets tout l'argent, là. Ça y est, c'est fait. Oh là là, c'est reçu à l'instant directement. Thomas vous a envoyé 77,88€. Quel plaisir, merci Thomas. Et bah, du coup, je vais payer un McDo à tout le monde. Gradez-le, mes deux collègues demi-finalistes, là, avec le loser, là, juste avant. Enfin, désolé, non, Thomas. Non, non, arrête, désolé, arrête, c'est bon, on rigole. Et franchement, les gars, on est en forme en vrai. En vrai, de vrai, on allait en forme quand même pour un 21h30 de nul, en franchement, en forme. Vous êtes chaud, les gars. Moi, j'avoue, là, je suis un peu. Fatigué. Let's go! Allez, voilà, voilà, dealer! Ça, je reconnais, c'est la provoque. Yeah. Oh là là, quelle descente! Oula, c'est très peu stable. Hein. Allez, ciao Lucas! Eh, les gars, bienvenue en Johanna, faut sortir aussi en fait. Pardon. Bienvenue en Angers, messieurs. Mais merci, ça a l'air quelle super. Émotion. Quelle émotion! Oh putain, il date lui! Non, Thomas, il date! Tu viens avec nous au château? Oh, je crois pas. Hein. Oh, je crois qu'il va rester ici. Voilà. On va se balader. Bah, allez, on y va. Bah, on y va, allez, c'est parti. Let's go. On est à Angers, les gars. On est à Angers. Incroyable. On est fatigué à Angers, ça va bien. Et dernière étape, bravo. On peut serrer la main en même temps, les gars. Donc, à Angers, alors on a fait quelques petits plans de la ville. En vrai, très sympa du peu qu'on a vu. Là, on est devant le château. Déjà très sympa. Je pense qu'on avait juste en là. Bientôt on verra G. Moxie. C'est des 22 4h du mat ça. Il est 23h48, bientôt minuit, donc là ça enchaîne bien. Et le temps passe vite quand même. Hein. La dernière fois qu'on a dormi, c'était il y a combien de temps en temps? Oh, le calcul est dur à ce temps là. Ça fait 16 plus 24, ça fait 40. Là on est à 40h. 40h voilà. On est à 40h sans dormir là, je me rends pas compte. Tu sais qu'à l'époque il y avait des crocodiles là devant le château. C'est vrai? Bon, j'en sais rien peut-être. Ah. Bah, on balance une fake news au cas où. Un tour de France sans dormir, ça fatigue, hein. C'est la morale de cette vidéo, on peut le dire. Une remarque qu'on s'est faite quand même, c'est qu'on arrivait quasiment dans toutes les villes où il faisait nuit. À part là tout à l'heure, où c'était le coucher de soleil. Attends, mais Nancy, on arrivait, il faisait nuit. Lyon, il faisait nuit. Marseille, il faisait nuit. J'ai l'impression que ces villes, en fait, c'est désert, y a personne. C'est ça. Et après, attends, après Marseille, c'était tout à l'heure, il était couché de soleil quasiment nuit. Et là, il fait nuit. C'est-à-dire que le meilleur moment de la journée, on l'a passé dans le camping-car. Oui, c'est ça, quand il y a eu du soleil, quoi. Je perds tous mes repères spatio-temporels. Là, j'utilise le terme. Hein. Les mes repères spatio-temporels, ils sont perdus. Là. Regardez, c'est un feu rouge d'Angers. Ils sont hyper sympas, ceux-là. C'est les meilleurs feux rouges de France, je crois d'ailleurs. Non, mais c'est super. Hein. J'arrive plus trop à marcher. J'ai l'impression d'être bourré. Petit plan quand même sur les yeux de Grégoire, qui sont sympas là. Ça va Grégoire? Tu vas bien? Apparemment j'ai les yeux éclatés. Éclatés frère. Bon bah c'est la dernière fois qu'on rentre dans ce camtar. Hein. Bah c'est vrai. Oh c'est la dernière fois, c'est émouvant. Et on n'a pas les clés. Thomas qui dort qui va nous ouvrir dedans. Pour rêver Thomas là. Oh, Thomas il s'est passé quoi? Après une nuit de sommeil? C'est parti! Bon, il est minuit 24 et là on va passer à une des étapes un peu plus finales, un peu plus coriace. Là on a chacun une cuillère dans la main. Pour ceux qui avaient vu déjà la dernière vidéo, le dernier qui d'or gagne édition XXL, c'était la finale avec Thomas, on était un contre un et on devait tenir une cuillère comme ça. Et en fait au moment où tu t'endors, et bah du coup tu fais naturellement tomber la cuillère, ça fait du bruit. Et donc du coup le premier qui s'endort, et ben on va entendre forcément avec le bruit de la cuillère. Et cette personne là sera éliminée. Et donc il restera que deux finalistes. Elle est terrible cette épreuve. Elle est terrible, elle fait mal. Pourquoi ça, on n'a pas tous serré la main depuis le début? Bah on se salue avant de se défier. C'est le combat final quoi. Pourquoi pas. Et ben messieurs, je vous souhaite un pas bon sommeil. Restez réveillés, force à vous. Je vous souhaite une belle lutte. Et on va voir qui sont les deux finalistes là. Allez, 3, 2, 1. Ah. Bonne nuit à tous. J'étais pas bien. À un moment, je savais plus dans quel sens c'était mon poignet.
Mec, j'étais en train de rêver. En plus, ça a réveillé d'un coup en plus. Si là, t'étais vraiment parti. J'étais dans un rêve, mais en plus, je pouvais même te dire ce que c'était. Vas-y. Ouais, j'étais avec Ellie J, les chanteuses. Ouais. Dans le gymnase de mon collège à Montélimar à l'époque. Et je sais pas pourquoi. Waouh, il revient à nous, hein. Ça, par contre, ça. Oh, ouais, par contre, j'étais bien. J'étais en train de partir en plein sommeil, j'étais bien, tu vois. Ah, ouais, c'était bien. Ok, ouais. Ah, ouais, là, j'étais bien, vraiment. C'est un vrai départ. Ouais. Par contre, je suis deck, je pars juste avant la finale, là. Ah, oui, mais oui. Tout ce temps, 40 heures. 40 heures réveillé pour ça, frère. Je trouve ça. Non, franchement, t'as été un bon. Bravo pour ce concept. Là, vous, il vous reste encore 3 à 4 heures à tenir d'ici Paris. Et bah, écoutez, les gars, bon courage à vous. Et bon, on y est. Je crois qu'on est en finale. Félicitations. Bah, félicitations à toi aussi. Première participation. J'étais pas une tête de série. Je suis content d'avoir fait mon petit bout de chemin. Et à partir de maintenant, c'est que du kiff. Vous pensez que vous allez rester réveillé jusqu'à Paris, là? Bah, je pense qu'il y a moyen. Bah, franchement, là, j'ai de l'énergie. Hein. On se retrouve dans 4 heures à Paris, je pense. Un peu moins, même. Un peu moins, ouais. Je pense 3 heures, on sera à Paris, là. Là, pendant 3 heures, on va attendre. Hein. Ça se trouve, dans 3 heures, on sera comme ça. Et surtout, fluctuat net merito. C'est-à-dire? C'est la devise de Paris. Ok, et ben on attend maintenant. Voilà, j'ai entendu le c'est bon. Voilà, c'est officiellement fini. Voilà, là, ils l'ont fait. Bravo les pilotes. Ils ont fait leur Tour de France sans dormir. Les amis, c'est historique ce qui se passe. On est garé au même endroit qu'au départ. Ça veut dire que le Tour de France est complété. Bravo les gars. Bravo. Bravo à vous deux. Bah, c'est vous deux qui avez tenu. Merci les chauffeurs. Hein. Et merci les chauffeurs, évidemment, exceptionnels. Vous avez 40. Combien de... 44 heures, ouais. 44 heures. 44 heures de trajet, sans dormir, bravo, franchement. Et il y a quand même, évidemment, le but, c'est le dernier qui dort gagne. On a quand même envie d'avoir un gagnant. Ce qui va se passer là, c'est que là, nous tous, là, on va tous sortir du camping-car. Oui. Vous deux, vous allez rester ici. On va tout éteindre et on va vous laisser 10 minutes. Et on éteint tout ici. Et au bout de 10 minutes. On n'a rien le droit de faire, nous. On est allongé, les yeux fermés. Ça, allongé, les yeux fermés. Et au bout de 10 minutes, moi, j'ai toqué un peu doucement à l'entrée. Celui qui est réveillé, il peut sortir. Après, peut-être que vous êtes deux réveillés, on verra ce qui se passe, évidemment, peut-être. Et du coup, nous, on verra que de l'extérieur, donc on verra que le plan du camping-car. Et là, on va entendre la porte qui s'ouvre et on verra du coup la personne qui sort, qui sera du coup la grande gagnante. Donc, ça, c'est assez stylé quand même. Et peut-être que vous serez deux, peut-être qu'il y aura personne, on sait pas trop. Pour le coup, c'est vraiment du hasard. On se voit très vite dans 10 minutes, j'imagine. Oui. Je vous laisse vous mettre un allongé ici, un là-bas, je pense. Mettez-vous bien. Allez, c'est parti. Les gars, écoutez, bon courage à vous. C'est la finale. C'est parti. Oh l'enfer. Bon, il est 3h52, là il reste un peu plus de 3 minutes. Donc là, peut-être qu'il y en a un qui est en train de dormir, peut-être que les deux ne dorment pas, peut-être que les deux sont en plein sommeil, je sais pas du tout. Donc écoutez, on attend encore un petit peu et on va voir ça. Quel suspense, c'est beau ce qui se passe. Ok, il reste 15 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, ok, ok, pas de bruit, pas plus de bruit que ça. Écoutez, on va toquer doucement et on va voir ce qui se passe. S'il vous plaît, j'espère. Attendez, on s'écarte. Et là, énorme flop, les deux ils arrivent en pleine forme. Ou alors peut-être que les deux ils sont endormis. Hein. Attention, c'est peut-être cette option là. Oh là là, oh là là. Grégoire ou Vincent, Grégoire ou Vincent. C'est Grégoire. Let's go. Putain, quel crack. Oh là 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 là. Attends, du coup, ça veut dire. Ah oui, toi, t'es pas endormi. Je suis pas endormi du tout. T'es fou en fait, t'as pris 44 heures. Il aurait fallu quelques minutes de plus. Et j'étais KO. Déjà, j'ai la voix du mec qui était prêt à tomber. C'est vrai de fou ça. Attends, on peut l'avoir du coup, Vincent aussi? Attends, vas-y, on t'en prie, je t'en prie. Bah, du coup, avec vos let's go, je suis réveillé du coup. Ah! Tu t'es réveillé à l'instant? Bah ouais, bah vous avez dit let's go et tout. Ah oui, c'est vrai que par rapport au fait qu'on gueulait quoi. Par rapport à la victoire. Et tu t'es endormi ça par contre? Je me suis endormi ouais sur la fin. Ah ouais? J'ai dormi au moins 5 minutes je pense. J'ai bien dormi. Et en fait je pense que je me suis réveillé aussi au moment où Grégoire il est sorti avec la porte. Et en fait j'ai glissé de la banquette et je suis tombé par terre genre. Ouais. Ah ouais, t'es sûr que tu t'es endormi toi du coup? Ouais ouais sûr. Ah quel coup dur. Oh là là c'est fou, bah attendez on ressort. Quelle vidéo. Pouah, c'est fou ce qui se passe. Quelle aventure. Quelle aventure, quel tour de France. En plus on est vraiment au point de départ, ouais, on est revenu au point de départ. Et sauf qu'entre temps, il y a eu 44 heures, on a fait Nancy, Lyon, Marseille, Royan, Angers, Paris. J'ai l'impression que ça fait une semaine qu'on est parti. Bah, bravo Greg, du coup, Grégoire, bravo. Incroyable. Merci. Bah, franchement, aventure de fou, bravo aussi Vincent. Ouais, c'était une dinguerie, c'était trop bien. Bravo aussi, mention spéciale bien sûr aux chauffeurs exceptionnels. Oh oui. Attends, on va dire, on fait venir, bien sûr, on fait venir. Eux aussi, ils ont pas lâché. Les cracks, ils sont relayés à fond, ils ont tout donné et franchement, ça régale un maximum. Bah, merci les gars en tout cas. Merci beaucoup. On met évidemment ton instant en description, donc voilà, n'hésitez pas.
pas. N'hésitez pas à le suivre, évidemment, c'est le frérot. Merci encore, bien sûr, à Revolut qui nous accompagne sur cette vidéo. Ça fait plaisir. Merci à eux. Je vous mets évidemment un lien en description pour télécharger Revolut gratuitement et aussi pour obtenir 20 euros de cashback directement. Ça, ça régale. Et aussi, ça vous permet de participer au tirage au sort pour gagner les 1000 euros. C'est aussi un maximum de régalade. Donc, n'hésitez pas, évidemment, tout est en description. Merci encore une fois, évidemment, à tous les participants. Les chaînes YouTube sont en description. Allez voir, évidemment, la chaîne de Grégoire, la chaîne de Vincent, la chaîne de Raven Dalaya, l'Insta de Thomas. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Ciao, ciao. Et là, on va dormir direct.